ton gavantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mon gars. Tu sais que tellement c'est bon, onctueux et délicieux, tu vas t'en foutre partout. Et c'est une putain d'exclus que Vantard t'apporte ce soir. Va chercher ton bavoir, putain, c'est une exclus, mon gars, tu vas t'en foutre partout. Donc, le film du jour, on va dire entre guillemets que c'est l'un des blockbusters, je sais pas, les plus attendus de 2014, peut-être, je sais pas, il y avait des gens qui l'attendaient, nanana. En tout cas, c'est un blockbuster estival, ça s'appelle Black Storm. J'ai eu l'occasion de le voir aujourd'hui même en avant-première sur les Champs-Élysées. Et Vantard vient t'apporter, te livrer cette putain d'exclus. Vantard est parti en éclaireur pour toi, pour aller tester cette dose, pour voir si cette dose était assez croustillante et savoureuse, afin que tu puisses aller ou ne pas aller le voir ce mercredi même. Il me semble que mercredi qui arrive, nous serons le 13 août. Bon, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, mon petit, j'espère que ton bavoir est bien en place. Nègre ! Donc, moi, je te dis direct, je te mets dans la confidence, je suis pas du tout dans les films de catastrophe. Tous les bails de films de catastrophe, de fin du monde, de volcans, de météorites et tout, moi pour moi c'est des bullshit sans saveur, t'as vu, moi je, voilà. Mais là mon gars, Black Storm, nigga, putain de merde, j'étais pas prêt pour ce genre de bail. Mon gars, écoute-moi bien, ce petit film Black Storm tient toutes ses promesses. Je m'attendais à rien quand je suis parti le voir. Et à l'arrivée, j'étais agréablement surpris, mon gars, des bails de catastrophe. Tu n'es même pas prêt, mon gars. Bon, bref, écoute-moi bien. Ça déménage, ça décoiffe. Tu n'es même pas prêt pour ces bails de catastrophe. Tu n'es pas prêt, cherche pas, mon gars. Dans le film, t'as des bails de tornade simple. T'as des bails de tornade fusion, mon gars. Des bails de fusionnage de tornade. Un moment, t'as des bails de, comme ils disent dans le film, des tornades de multivultex ou je sais pas quoi. C'est plein de petites tornades qui partent sur les côtés en même temps, nanana. Et à la fin, t'as le boss final. Tornade puissance 5, t'as les Dragon Ball Z et tout. Non, mon gars, le film est vraiment sérieux. Je m'attendais à rien. Mon gars, Vantard est parti en éclaireur. Je peux te dire que le film tient toutes ses promesses. Mon gars, des séquences à couper le souffle. Ça bouge de partout. J'étais comme ça dans mon siège. Putain, mais arrêtez les copains. Je vais m'envoler, putain, merde. Mon gars, démentiel. Des effets spéciaux titanesques. Des musiques qui accompagne ces séquences catastrophiques. Non, vraiment, mon gars, le film tient toutes ses promesses, car le pari de ce film était de faire tenir le spectateur pendant 1h40 dans son siège avec une simple tornade. Eh ben, je peux te dire qu'à l'arrivée, le scénario est astucieux, les effets spéciaux sont réussis, un petit soupçon d'humour comme ça. Et je peux te dire que non, vraiment, vraiment, grand spectacle, mon coco. Grand spectacle, grand divertissement. J'étais pas prêt. Je suis arrivé dans la salle, j'étais comme ça, sceptique, visage fermé, à me dire putain, non. À l'arrivée, mon gars, le film m'a régalé, mon gars. Au-delà de mes espérances les plus folles. Non, vraiment, les effets spéciaux sont démentiels. Tu n'es pas prêt. Je t'ai dit, tornade simple, tornade fusion, purivultex, tornade force 5. Non, mon gars, les effets spéciaux sont démentiels. Je te jure, ça déménage. À chaque fois qu'il y a les tornades, t'as l'impression même les sièges, ils tremblent dans le cinéma. Et ces enfoirés, ils ont fait exprès d'augmenter le son. Mon gars, tu seras pris dans l'œil du cyclone. Passe-moi l'expression, Norbert. Non, vraiment, le film est sérieux, putain, oh là là. Et en plus, ils ont eu cette intelligence et cette clairvoyance de ne pas faire un énième film en 3D. T'as vu, le film est en 2D, Dieu merci. En tout cas, le film est lourd, le film tient toutes ses promesses. T'as vu, je m'imaginais déjà dans ma chronique à le traiter de tous les noms,
de dire que ce film était un vulgaire téléfilm ou un film de vidéoclub. Mon gars, à l'arrivée, le film est vraiment sérieux. Le divertissement à son max. Le divertissement à son max. Grand spectacle, grand divertissement. Tu peux y aller avec un saut de popcorn, iced tea, coca, Haagen-Dazs, mon gars. Tu... Oh, putain, merde, mais mon siège va s'envoler. Vraiment des bails de catastrophe. J'étais pas prêt, mon gars. Donc voilà, dans l'ensemble, je te dis vraiment, à l'arrivée, le film est lourd. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bien évidemment, le film souffre, entre guillemets, de quelques longueurs. Le film met un petit peu de temps à démarrer. Mais je peux te dire que les séquences d'action et les séquences de catastrophe, ainsi qu'un scénario astucieux, une bande-son maîtrisée. À l'arrivée, non, vraiment, chaque cent, chaque penny, chaque roupie, chaque dollars que tu investiras dans cette place de cinéma sera rentabilisé au centuple. Non, vraiment, le film est sérieux, t'as vu. Moi, je t'ai dit, je suis pas du tout dans les films de catastrophes, de fin du monde, de météorites, d'inondations, de je sais pas quoi. Moi, pour moi, c'est des bullshit. Mais celui-là, mon gars, Black Storm, la tornade noire, nègre. Mon gars, le film est vraiment sérieux, le film tient toutes ses promesses. Je m'attendais à rien, agréablement surpris, donc je te le recommande, mon coco. Sinon, j'ai remarqué un truc quand je suis parti voir ce film, et c'est dingue, ça me frappe de plus en plus. Apple, bon, moi, je suis sur iPhone, je suis rentré dans leur secte. Mais putain, la secte Apple est trop puissante. Car bien évidemment, dans ce film, comme beaucoup de films, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, un film sur deux, il y a toujours des placements de produits. iPhone, iPad, Mac, MacBook Pro, c'est abusé. C'est un truc de dingue comment Apple contrôle le game. Donc dans ce film, malheureusement, tu n'y échappes pas. Donc, placement de vulgaire et grossier de Apple toutes les 5 minutes, c'est abusé. Putain, Apple, il contrôle vraiment le game. Donc, voilà. Bon, sinon, dans le film, il y a quelques bails de patriotisme, bien évidemment. Des ralentis sur le drapeau des États-Unis, tout ça. Mais bon, à l'arrivée, je te jure, ça donne vraiment un bon film, un bon divertissement, un soupçon d'humour. Et je peux te dire que les séquences de tornade fusion, double tornade et tout, tornade vultex et tout. Non, vraiment, le bail est sérieux. Donc, tu connais ce dicton légendaire, nègre. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de vantard, c'est toujours le bon. Je l'authentifie, je le valide et je le certifie. Certified, tu peux y aller mercredi. Black Storm tient toutes ses promesses. Le blockbuster à son maximum, très très sérieux. Je te jure, vraiment du lourd. C'était ton gars Vantard, Peace and Love. J'espère que tu apprécieras cet exclu à sa juste valeur. À bientôt.